Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième, avec Gilles, qui est à notre à gauche, pour cette deuxième du Club Excellence Vitrimédia. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a un sujet très intéressant aujourd'hui et j'ai la chance, bien sûr, de pouvoir avoir avec nous aujourd'hui Gilles, que j'ai suivi sur une de ses formations, intervention en Belgique, il n'y a pas très longtemps. Et Gilles, je voulais absolument que tu sois là. Parce que tu m'as mis la pêche, en fait. Tu as une capacité à générer une énergie incroyable. Et je pense que c'est clé. C'est un sujet très important qu'on va voir aujourd'hui. C'est comment on donne de l'énergie, mais surtout comment on va mobiliser ces énergies. Et tu m'as proposé d'être là et ça fait vraiment plaisir. Alors, qui est Gilles Lemercinier? Tout le monde ne le connaît pas. Gilles, alors, tu es coach, tu es formateur. Tu as 38 ans, tu es Energy Manager. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Energy Manager? Comment tu définirais le terme, Gilles? C'est simple. Mon rôle, c'est d'amener dans des conférences, dans des formations, dans des séminaires, principalement à la base de développement personnel et surtout commerciaux, enfin commercial, pardon, de faire monter l'énergie des gens pour que les gens puissent traverser ces séminaires avec enthousiasme. C'est un challenge assez important vu la situation dans laquelle nous vivons, la crise sanitaire. Les gens ont besoin d'énergie moi j'en ai à revendre. Je propose tout simplement, et je vais en parler notamment ici dans l'heure qu'on va passer ensemble, des techniques pour faire monter son niveau d'énergie qui est essentiel. Et surtout, j'explique comment vendre grâce à l'énergie. Et je pense que toutes les personnes qui vont et qui nous suivent là à cet instant sont des gens qui sont dans le secteur de la vente. Donc, vous allez voir que c'est une nouvelle approche, tout à fait une nouvelle approche en termes de vente qu'il y a des résultats juste magiques. Donc, c'est ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est avoir des résultats magiques, immédiats, au bout d'une heure. Et donc, bien sûr, l'énergie, donc l'énergie manager, et tu connais les forces de vente. Tu as été commercial et tu as développé, tu as comment, dynamisé les équipes de vente. Tu as eu le temps de le faire dans une première carrière. Et combien d'années tu l'as fait et dans quelle entreprise? Je fais de la vente depuis que je suis gamin. C'est un monsieur qui avait une association tout près de chez moi. Et quand j'étais enfant, il nous a fait travailler, moi et différents amis, à la sortie des magasins, on vendait des modules pour les îles de paix. Donc j'ai commencé, je vais avoir 7-8 ans, j'ai toujours adoré. Après mes études en marketing, j'ai travaillé 13 ans pour un gros groupe allemand qui s'appelle Ergo, qui encaissait 50 milliards d'euros par an, donc vraiment un énorme groupe financier. Où là, pendant 13 ans, j'ai été commercial, mais j'ai aussi développé une structure commerciale de plus de 600 vendeurs qui m'appartenaient puisque j'étais en freelance. Puis j'ai aussi été associé dans pas mal de petites structures, des petites startups où je travaillais de manière sporadique pendant 6 mois, 1 an, juste pour amener l'explosivité commerciale. Et là, depuis maintenant 5 ans, j'ai fait ma bosse dans le développement personnel, où j'ai amené 3 000% de croissance dans une boîte qui m'a proposé une business unit qui faisait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et après 3 ans, j'étais à 3 millions et ça continue cette croissance-là. Un acteur de Alors, donc une vraie expérience dans le métier commercial, dans la dynamisation et la direction d'équipe commerciale. Donc, explique-nous donc comment aujourd'hui on peut le mieux effectivement utiliser cette énergie commerciale. Trois énergies, tu me disais, trois énergies très connues, hein, le chasseur, éleveur, et puis effectivement un nouveau modèle peut-être qui permet de relier tout ça et d'être le plus efficace et efficient possible. Exact. Gilles, explique-nous, et puis je sais que tu écris souvent sur ton tableau, donc j'ai hâte de prendre des notes. Topissime. Merci Thibault. Avant vraiment rentrer dans le vif du sujet, moi je ne vous vois pas, mais par contre, je vois vos interactions dans le chat. N'hésitez pas s'il y a des questions, vous me les posez. J'aime bien quand il y a de l'interactivité avec les personnes qui suivent mes séminaires. Je fais des séminaires régulièrement. J'en ai fait un ce matin, j'en refais un à 20h30 avec un réseau qui s'appelle Lirianges, qui est un réseau dans le bien-être avec aussi quelques centaines de participants. Je fais ça très régulièrement, donc il ne faut pas hésiter à m'interpeller dans le chat. Mais j'aimerais d'abord savoir combien parmi vous, vous pouvez tous lever la main si c'est le cas, combien parmi vous sont de bonne humeur aujourd'hui? Yes, Ils ont l'air je en vois ton forme. nez en Belgique. Merci beaucoup. Ils ont l'air Alors, en forme. Ils sont tous en forme. Ils ont hâte de repartir avec des conseils au bout d'une heure, effectivement, de devenir excellent. Ok. Non, ils sont tous très en forme.
que je vais vous apprendre là, à mon avis, il n'y a personne qui le sait. Donc, vous allez avoir des bons trucs et astuces à mettre en pratique tout de suite, je vous promets. Donc, je vois que beaucoup d'entre vous sont de bonne humeur et j'aimerais savoir combien parmi vous veulent passer une belle soirée. Dites-moi un petit peu, combien parmi vous veulent passer une belle soirée? Ils ont l'air moteurs, hein. Ils ont envie. Hein. Je le vois, ils ont envie, oui. Non, c'est vrai. Merci beaucoup. Eh bien, j'aime commencer comme ça parce que ça me met un peu de pression sur les épaules, sinon c'est trop facile. Comme ça, je sais qu'il y a une demande, une attente importante en termes de contenu. Et ce contenu, ben, vous allez voir, je vais le délivrer d'une manière spécifique puisque c'est un contenu spécifique. Alors, en résumé, hein, donc avec Thibaut, vous avez déjà eu un semblant de présentation. J'aimerais revenir à ça. Donc, effectivement, j'ai 38 ans. Effectivement, je suis père de famille. J'ai deux enfants, un petit garçon qui s'appelle Roméo, qui a 2 ans et demi, et une fille de 8 mois qui s'appelle Ophélia. Et j'ai vraiment la chance, depuis 5 ans, de vivre une vie, allez, qu'on va dire successful, de manière, je veux dire, traditionnelle. Voilà, j'ai investi beaucoup dans l'immobilier, j'ai pas mal de revenus passifs. J'aimerais savoir, tiens, combien parmi vous aimeraient prendre 4 mois de congé par an pour traverser cette belle planète et y voir toutes les belles choses? Je vois qu'il y en a pas. Ça, c'est intéressant comme question. Hein. C'est très intéressant comme question. Eh bien, sachez que ça fait 5 ans que je prends 4 mois de congé par an et j'ai pris une grande décision pour 2021, c'est de prendre 6 mois de congé par an. Et donc, je vais directement appliquer ça en 2021. Alors, le but ici, c'est pas du tout de prendre ça pour de la vantardise. Le but, c'est vraiment de comprendre que ce que je vais vous apprendre là aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir plus de temps pour vous, plus de temps pour voyager si c'est le voyage que vous aimez bien, mais ça peut être aussi faire vos passions. J'ai beaucoup de passions et vous allez voir que dans la vente, c'est quelque chose de très puissant avec les passions des différentes personnes que l'on rencontre. Et ce que moi, j'aime amener dans mon univers, eh bien, je l'amène pour avoir plus de temps pour moi et ma famille et mes passions. Et donc, voilà, une de mes passions, c'est de voyager. Et en fait, j'ai compris que si on veut prendre 4 mois de congé par an, et ça s'appelle le phénomène du trou noir, je rentrerai dans le détail dans quelques minutes là-dessus, eh bien, il faut pas attendre d'avoir la situation, l'environnement et les finances pour le faire. Il faut prendre ces 4 mois de congé. Et quand vous avez pris votre 4 mois de congé, eh bien, vous êtes obligé, un petit peu comme si vous aviez l'épée Damoclès au-dessus de votre tête, vous êtes obligé de produire en 8 mois ce que vous produisiez avant en 12. Même chose avec 6. Et donc, c'est pas je vais faire ça quand tout sera mis en place. Non, c'est, je le mets en place. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, face à l'adversité, face à la contrainte, mon cerveau va être challengé d'une autre manière. Et ça, j'adore, c'est que j'attends pas d'avoir des résultats pour mettre en pratique, c'est je mets en pratique et les résultats tombent de cette expérience. Et évidemment, pour toute la plupart des vendeurs, vous savez que c'est en vendant qu'on, eh bien, affûte son katana ou l'épée que vous préférez. Donc, ça fait 5 ans vraiment que je vis une vie exceptionnel, que j'adore. J'ai mis fin à ma collaboration avec le groupe Essence parce que bon, voilà, j'avais amené la croissance qu'il fallait. Je commençais à monter, donc je me suis dit d'aller faire autre chose. Je m'étais promis de rester au calme jusqu'au 15 janvier. Et puis, j'ai Thibaut et Marc qui m'ont dit « Gilles, on veut que tu viennes, que tu transmettes ton contenu. » Et donc, comme vous voyez, je n'ai pas tenu longtemps. C'est vrai que je suis passionné par ce que je transmets. Donc, n'hésitez pas de temps en temps, si je parle de trop, de me le dire. Et donc, voilà. Le but ici, c'est vraiment de vous transmettre ce contenu qui m'a permis à moi de me transformer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 6 ans, je me suis retrouvé par contre dans une situation tout à fait inverse. Je venais de quitter mon ancienne boîte qui avait arrêté ses activités en Belgique. Je n'y attendais pas du tout. C'était une boîte dans laquelle j'avais donné 13 ans de ma sueur et de mon sang. Et puis tout à coup, ben, tout business s'arrête. Et donc, on avait pris un petit peu tous mes rêves brûlés au chalumeau. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'à l'époque, eh bien, quand je gagnais 25 000 euros, j'en dépensais 30, parce que j'ai toujours trouvé ça marrant. Sauf que le fisc et mon comptable, eux, ne l'ont pas trouvé du tout de cet avis. Donc, je me suis retrouvé avec des dettes. Et à un moment de ma vie où, en plus, on annonçait à ma future épouse qu'elle serait paralysée à l'âge de 40 ans, ma mère était gravement malade parce qu'elle avait un cancer, ainsi de suite. Et donc, voilà, j'ai pris le mur à pleine vitesse et en me relevant, j'ai arrêté de rejeter la faute sur les autres et je me suis regardé dans la glace et je me suis dit « Ok, maintenant, tu prends le taureau par les cornes et tu vis la vie de tes rêves. » Et c'est comme ça que j'ai découvert le développement personnel et que j'ai utilisé le développement personnel au service de l'entreprise,
Donc, ça veut dire au service du monde entrepreneurial. Et vu que j'avais un gros background au niveau commercial, eh bien, j'ai associé le développement personnel à la vente pour manager la plupart des patrons d'entreprise. Il y a encore un mois, j'étais dans certains de mes programmes avec plus de 150, 200 patrons d'entreprise qui avaient payé des milliers d'euros pour venir chercher mon contenu. Et donc, tous ces événements ont fait que, en plus de tout ça, donc il faut savoir que j'ai un diplôme à l'École supérieure des affaires en marketing, qui est l'école ici en Belgique. Et en plus de ça, j'ai fait des études de thérapeute. Et donc, la psychologie de la vente, c'est quelque chose de connu depuis très, très longtemps. Et moi, j'ai été utiliser les forces thérapeutiques que l'on peut vraiment utiliser dans la vente. Ce qui fait que j'ai une autre manière d'apercevoir un potentiel client, j'ai une autre manière d'approcher la prospection, j'ai une autre manière d'approcher eh bien, les trois énergies de vente. Et ça, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Alors, ces trois énergies de vente, vous allez voir, comme je vous ai dit, que j'aime bien l'interaction. Donc, j'ai dit, il y a combien d'énergies de vente? Je veux le voir dans le chat. Je veux voir des 3, 3, 3, 3, 3, 3, s'il vous plaît. Merci. Génial. Effectivement, il y a trois énergies de vente. Alors, la première énergie de vente, c'est une énergie que beaucoup d'entre vous connaissent, surtout dans le secteur de l'immobilier. Et c'est une énergie qui est très spéciale. Moi, c'est l'énergie par définition dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai été formé. Et je vous assure que dans le secteur financier, parce que j'ai même vendu en porte à porte, donc je vous assure que là, vous apprenez de vos erreurs très rapidement parce que ça fait mal aux pieds. On ne prend pas son pied quand on fait du vendeur en porte-à-porte, si vous avez compris ce que je vais dire. Et donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle, en anglais, c'est le hunting. Yep. Et le hunting, eh bien, en français, ça s'appelle la chasse. La chasse aux nouveaux clients, aux nouveaux prospects. Alors, j'adore la synchronicité des choses. Et pour vous donner une idée, j'habite avenue de la Chasse à Bruxelles. Mon père était pilote de chasse à la force aérienne belge. J'ai évidemment mon permis de chasse. J'adore eh bien, chasser en règle générale avant d'être marié, etc. J'aimais fort la séduction. Et mon nom de famille, le Mercinier, ça vient du Le Mercenaire. Donc, bah, comme vous l'avez compris, il y avait beaucoup de choses qui m'orientaient dans cette carrière de chasseur. Alors, juste une chose. Faut effectivement, si tu peux pousser à droite, juste un petit peu à droite le tableau, parce qu'on ne le voit pas très bien. Voilà, un petit peu encore. C'est vrai qu'il y a un chouïa encore. Et voilà, presque. Alors, note bien effectivement sur la partie droite, comme ça on verra tout. Parfait. Ok, nickel. Alors, je vais avoir un peu… Bah, pas de souci. Je m'adapte. Si jamais vous me le dites, tu me le dis, Thibaut, avec plaisir. Ouais. Donc, première énergie, comme le dit très bien la plateforme, eh bien, c'est le hunting, c'est la chasse. Alors, j'aimerais d'abord développer cette énergie pour qu'on comprenne bien dans quoi est-ce qu'on eh bien, on met les pieds, qu'on comprenne bien l'intelligence qui est liée à ce type de profil et surtout qu'on sache comment attirer ce type de profil. Parce qu'il faut savoir que sans hunter, donc sans chasseur, il n'y a pas de business. Il n'y en a pas du tout. C'est eux qui créent le business de A à Z. Et donc, pour créer du business de A à Z, eh bien, je vais devoir avoir des personnes qui ont une énergie, si je peux l'associer à une couleur, je sais qu'il y en a bien qui aiment bien les énagrammes, etc. Eh bien, cette couleur, c'est le rouge. On est dans l'action. Ce sont des personnes qui ont un très haut niveau d'énergie, qui ont un très haut niveau d'enthousiasme. Je vois qu'il y en a qui ont dit, Paolo, là, qui met le sourire, l'enthousiasme. Exact, le sourire, l'enthousiasme. Pour rappel, enthousiasmos en grec veut dire le transport divin. Et il est évident que même quand vous sortez, quand vous allez en soirée, hier j'étais faire de la plongée sous-marine, c'est une de mes passions, et il y avait un gars qui était là, qui était assistant social. Le gars, il a tout le temps de l'énergie, il a tout le temps de l'enthousiasme, et il m'annonce hier eh bien, qu'il change complètement de secteur d'activité et qu'il va travailler dans la vente. Je lui ai dit, David, c'est la meilleure décision que tu prennes, puisque tu as quelque chose d'unique. Les gens qui ont de l'enthousiasme, les gens qui ont de l'énergie, c'est complètement unique. Ça rend jaloux tous les autres. Et ces gens-là, ben, c'est eux qu'il faut sélectionner pour travailler comme chasseurs. Alors, il faut les sélectionner rapidement parce que ce sont des gens qui sont beaucoup recherchés sur le marché. Il faut savoir que cette énergie de chasse, c'est une énergie qui coûte énormément d'argent à l'entreprise. Donc, ça veut dire que pour amener un client qui n'a jamais entendu parler de moi, eh bien, je vais devoir avoir un représentant qui est un hunter, qui va devoir venir avec un très, très haut niveau d'énergie pour arriver à convaincre cette personne qui ne nous connaît pas ou qui ne connaît pas notre business.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi c'est de l'énergie rouge, et ça, je vais après rentrer dans les subtilités, c'est tout simplement parce qu'on est dans une énergie chasse, on est dans une énergie très animale. Il faut savoir qu'il y a trois choses dans notre corps. Il y a le minéral, le végétal, le minéral, végétal et animal. Animal, ça vient de anima, qui veut dire le mouvement. Et donc, on est vraiment dans des gens qui sont surexcités par le défi. Alors, c'est aussi la couleur, et ça, c'est très important, c'est aussi la couleur de l'amour, le rouge. C'est aussi la couleur de la séduction, le rouge. Et c'est aussi la couleur de l'action. Et moi, j'ai envie de dire que ces trois mots, eh bien, résument la chasse. C'est de l'amour, c'est de la séduction et c'est de l'action. Mais non-stop. Vous ne pouvez pas demander à un chasseur de faire de l'administratif. Ça les rend juste dingues. Et surtout, en fait, ils vont consommer une énergie considérable qu'ils n'auront plus quand ils iront prospecter. Et c'est ce qu'on leur demande, c'est de prospecter, de prospecter, de prospecter, de prospecter. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut vraiment les driller là-dedans. Alors, que je vous parle de couleur, j'aimerais aussi vous parler d'émotion. C'est quoi l'émotion qui est derrière cette énergie de chasse? Et pour ça, je vais vous faire un petit résumé. C'est pas le but de mes propos aujourd'hui, mais c'est important pour que vous puissiez comprendre le reste de ce modèle. En fait, tout ça nous vient d'un modèle qui est lié sur ma connexion avec mon inconscient. Donc, il faut savoir que mon inconscient, il est beaucoup plus grand que moi. Yop. Mon conscient, il est tout petit. Et mon inconscient communique avec moi de manière perpétuelle par trois axes. Combien d'axes? Je voulais voir là, les trois, s'il vous plaît. Yes, yes, yes. Trois axes. Et je vois qu'il y en a qui sont complètement dedans, donc ça me fait plaisir. On est plus de 150 là maintenant, donc c'est top. Alors, ces trois axes de communication, le premier, c'est le rêve. Si je peux vous donner un truc qui sort complètement du secteur de la vente, mais sachez que votre inconscient ne fait pas de distinction entre le monde privé et le monde professionnel. Votre inconscient vous communique énormément d'informations par le rêve. J'aimerais savoir combien parmi vous aimerait avoir une boule de cristal. Dites-moi là, combien parmi vous aimerait avoir une boule de cristal? Yes, yes, merci. Eh bien, cette boule de cristal, nous l'avons tous et toutes en main. Cette boule de cristal, ça s'appelle le rêve. Et donc, si je peux vous donner un tout petit truc, tous les matins, quand vous vous réveillez dans le mois qui vient, avant de mettre un pied au sol, essayez de noter vos rêves. Alors, vous allez voir, le premier jour, vous allez peut-être noter une phrase ou un contexte ou un environnement ou juste un sujet. Après une semaine, vous allez écrire des romans, des pages et des pages et des pages. Vous faites ça pendant un mois et un mois plus tard, vous relisez vos notes. Vous allez halluciner de voir à quel point tout est prédit dans vos rêves. Pour quelle raison? Parce que votre inconscient, sa seule volonté, c'est vous, que vous vous réalisiez. C'est son seul objectif dans la vie. C'est votre meilleur ami. Votre meilleur ami. Le seul but de votre inconscient, c'est de vous connecter à votre réalisation. C'est pour ça qu'il est là. Donc, le premier axe de communication, c'est via le rêve. Okay? Le deuxième axe de communication, c'est via les stimuli émotionnel. Donc, il m'envoie un stimulus, une émotion. Hop, émotion. Et moi, en tant que personne, je dois être conscient. Donc, je vois des gens qui disent « je ne rêve plus », etc. Donc, ça veut dire que c'est votre inconscient qui est en train d'abandonner la communication. Donc, à vous, ce soir, de dire « allez, ce soir, je vais faire très attention, envoie-moi des rêves et vous allez voir que la communication va se rapprocher tout de suite ». Deuxième moyen de communication, c'est via les émotions. Or, qu'est-ce que je constate? C'est que la plupart du temps, les gens, soit sont coupés de leurs émotions, soit ils vivent les émotions, mais ils ne les comprennent pas. Donc, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le message qu'il y a derrière l'émotion. Et l'émotion la plus exceptionnelle que puissent avoir les gens qui sont dans la chasse, c'est la colère. Et la colère, elle est en fait, parce qu'on parle toujours d'émotions positives ou négatives, il n'y a aucune émotion positive ou négative, c'est de comment moi je vais utiliser cette émotion à bon escient. C'est comme il y en a qui disent l'argent c'est une énergie qui est négative ou positive, ça n'a rien à voir, l'argent n'a aucune énergie, mais si moi je prends de l'argent pour acheter de la drogue ou pour faire de la corruption, ben, effectivement j'envoie une intention négative derrière cet argent, si je l'utilise pour le donner à une œuvre caritative, c'est le même pognon, mais là tout à coup on va dire que l'énergie est positive. Donc, c'est vraiment la personne derrière l'argent qui va avoir l'impact. Eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comment utiliser cette émotion de colère à bon escient et surtout comprendre que cette émotion de colère, elle fait partie des chasseurs. En fait, tout simplement,
l'émotion colère, donc quand mon inconscient m'envoie l'émotion de colère, le message, c'est envahissement. Et la vente, c'est de l'envahissement. C'est de l'envahissement terrain. C'est je rentre en porte-à-porte chez quelqu'un ou je prospecte de manière physique, je rentre dans un commerce. Donc, j'envahis l'espace d'une personne. Et donc, je dois être connecté à cette colère parce que si je n'ai pas un niveau de colère élevé, je ne sais pas aller envahir le terrain des autres. Et pour envahir ce terrain des autres, je peux faire appel à toutes les subtilités possibles et imaginables. Donc, c'est-à-dire que je peux aller chercher des émotions utiles comme la curiosité. Donc, j'ai la colère en moi, mais j'ai aussi la curiosité. Donc, je vais m'intéresser beaucoup à l'autre. Vous allez voir que j'ai quelques phrases comme ça qui percutent à mort. Je vais aller m'intéresser à l'autre par la curiosité. Et là, tout à coup, je vais connaître ses besoins et je vais voir si mon produit répond à ses besoins. Mais sachez, en tout cas, je vois qu'il y a des gens qui mettent la rage, effectivement, Paolo. Il faut de la rage pour être un hunter. Donc, ça veut dire que… Et tu dis, Gilles, c'est que la colère, c'est une bonne émotion, en fait. Quand elle est bien utilisée, elle donne de l'énergie au commercial pour aller combattre et signer des affaires. Et c'est important, il ne faut pas la mettre de côté, elle est vraiment utile. Elle est vraiment utile, donc ça veut dire que je dois apprendre à la dompter, cette colère. Et vous savez, moi je dis toujours, dans les séminaires que je propose, je vais connecter les gens à un prédateur. Parce que nous sommes des prédateurs. Quand nous faisons de la vente, quand nous faisons de la chasse, du hunting, nous sommes un prédateur. Pour moi, c'est la panthère noire, il y en a, j'ai déjà entendu plein de trucs, mais… Il faut être connecté à ce prédateur parce que vous êtes en train de chasser. Et donc, je vois colère positive, évidemment. Donc, ce n'est pas du tout la colère qui fait « je suis en voiture, quelqu'un me rase les moustaches ». Donc, il envahit en fait ma priorité. Qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à l'insulter dans l'auto. Comment on fait pour connecter un commercial effectivement à cette colère et devenir un prédateur? Qu'est-ce que tu as comme exercice? Alors, donc moi, je fais un exercice de méditation très puissant, mais là, ça me prend une demi-heure au minimum de le faire pour aller se connecter à ce prédateur. Ou alors, je fais un exercice beaucoup plus créatif. Donc, j'utilise la co-créativité qui est une des formules que j'ai apprises dans la thérapie. Mais généralement, quand vous pensez à un prédateur, ici, dans l'audience que nous avons, à mon avis, les trois quarts ont déjà trouvé ce prédateur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se familiariser avec son énergie. Si demain, vous me dites qu'un lion, ça se met en colère, mais évidemment qu'un lion, ça se met en colère, mais il se met en colère pour aller chercher de la bouffe. Et donc, nous, c'est exactement la même chose. Donc, on a ce côté, j'ai dit, l'énergie rouge, elle est animale, ça vient du mouvement. Eh bien, nous devons nous connecter à cette colère qui est hyper positive pour justement envahir le terrain de l'autre avec toutes les subtilités possibles imaginables. Il y en a qui ont un tempérament, bam, ils vont au face-à-face, ils vont au frontal. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus subtils. Ça va dépendre évidemment du prédateur. Virginie, par exemple, elle nous dit colère positive. Elle nous parle de colère positive. Donc, ça peut être une colère voilà, qui nous permet d'avoir du dynamisme, de l'énergie, mais c'est positif. On est d'accord. Exactement, exactement. Donc, ça veut dire que je l'utilise à bon escient, cette colère. Et en l'occurrence, ici, dans cette fonction, c'est dans l'envahissement de terrain. Okay. Et donc, pour repérer ça, quand je suis directeur d'une agence, par exemple, pour repérer ces gens qui ont ça, eh bien, sachez que c'est des gens qui ont souvent un haut niveau d'ambition, très haut niveau d'ambition, et qui ont des super intentions. Si ces gens n'ont pas des bonnes intentions pour votre entreprise, pour eux-mêmes, mais pour les clients, ça va faire un carnage parce que ça veut dire qu'il va vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui. Donc, on a un succès éphémère. On se dit, ah, génial, j'ai de la croissance. Mais derrière, il n'y a pas moyen de pérenniser le business. Et ça, moi, c'est hors de question. Je ne fais pas un effort colossal un an ou deux si ce n'est pas pour pérenniser le business parce que sinon, le business ne vaut rien. Moi, ce que je veux, c'est amener une croissance saine qui est pérenne. Et donc, ça veut dire que je vais enclencher un dynamisme dingue avec le hunting, mais que derrière, je dois avoir des hunters qui respectent un cadre de valeur qui est hyper précis. Et donc, ça veut dire qu'avec ces gars-là, je dois avoir un cadre hyper précis. S'il n'y a pas de cadre, ça part tout en sucette. Parce que comme par définition, ce sont des gens qui ont de l'ambition, comme par définition, c'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, eh bien, en fait, quand vous mettez ces gens dans une entreprise, toute la boîte tremble. Moi, je me souviens que dans la dernière boîte où j'ai été, à un moment donné, on a dit, on était dans une villa de luxe, parce que je trouvais que c'était plus sympa d'avoir une piscine, un sauna au bureau. J'avais dit, OK, on va en prendre une deuxième, parce qu'avec l'administratif, avec le délivrable, ça pose un souci, parce que moi, j'arrive le matin, c'est musique à stock, comment on est, bam, bam, et c'est des gens qui sont tout le temps dans le mouvement, dans l'énergie. Et plus ils sont dans le mouvement et plus ils sont dans l'énergie, plus ils vendent. Parce que c'est des gens qui ont besoin de ça.
Ils ont besoin d'être. Alors, si vous mettez ces gens derrière un bureau en disant maintenant, tu vas m'encoder des informations dans ton PC pendant 4 heures, ils vont partir en courant. Ce n'est pas le but et surtout, ça n'a pas de valeur pour l'entreprise. Comment on identifie ces personnes-là? C'est une question du chat. Ouais. Comment on identifie ces personnes-là? Moi, je propose une technique de recrutement qui est complètement atypique, mais ça me prend 2 heures d'explication. Ou sinon, je vous promets, vous repérez juste les gens qui sont enthousiastes. Vous allez en soirée, vous les repérez, les gars qui racontent tout le temps des blagues, les gens qui sont tout le temps de bonne humeur, les gens qui croquent dans la pomme, qui ne sont pas en train de subir, les gens qui sont proactifs. Et vous savez, qu'ils ne sachent pas vendre, on s'en fout. C'est 80%, ce qui m'intéresse à 80% dans un recrutement, et j'ai été meilleur talent hunter d'Europe pendant 6 ans, dans le top 10 européen pendant 6 ans, de la plus grosse boîte d'assurance européenne. Et bien, moi, je ne recrutais que des gens qui étaient déchaînés. Et après, on les forme. Et c'est super facile de les former. Parce qu'ils ne viennent pas avec un background de « un, je sais tout », ça, je ne supporte pas, parce que ces gens-là, on ne sait plus rien leur apprendre. Moi, la seule chose que je ne sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Donc, c'est les gens qui doivent apprendre, mais vous les laissez se driver tout seuls. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'énergie que les noms, ils ne les sentent même pas, ils ne les écoutent même pas. C'est juste « ok, et c'est quand le suivant ?» Et c'est quand le suivant ? Un peu comme quelqu'un quand il commence un nouveau sport et qu'il adore ça. Vous ne lui dites pas « allez, bouge-toi, va à ton entraînement d'art martial ». Non, ils sont déjà sur place et ils demandent à l'entraîneur, il n'y a pas moyen d'avoir un exercice en plus, etc. Donc, c'est ça qu'on recherche, des gens qui ont ce haut niveau d'énergie et qui ont ça dans leurs attitudes. La revanche peut être interprétée comme de la colère. Oui, tout à fait. Pour répondre à la question de Stéphane. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, et j'aime bien faire cette analogie, c'est que moi, je pars du principe que le seul moyen que l'être humain a trouvé pour ne pas se faire la guerre, c'est le commerce. Et si vous prenez toute l'histoire de l'humanité et que vous regardez l'ensemble des conflits qui ont existé, eh bien, si vous mettez du commerce, il n'y a plus de conflit. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, la nouvelle guerre, c'est le business. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais une chose est sûre, ça fait moins de casse. Ça fait beaucoup moins de décès et ça fait beaucoup moins de familles déchirées. D'accord ? Mais donc, ça veut dire qu'en gros, les hunters, c'est la chair à canon, c'est les paracommandos. Eh bien, les paracommandos, on ne les drille pas de la même manière que les pilotes de chasse. Les paracommandos, on ne les drille pas de la même manière que ceux qui sont en génie civil. Les paras, c'est une race à part. Les légionnaires, c'est des races à part. Eh bien, les hunters, c'est une race à part. Et donc, il faut vraiment les garder entre eux, les laisser entre eux et leur donner à manger. Ça veut dire les faire prospecter, les faire prospecter, les faire prospecter. Vous savez, il y a un super bouquin qui s'appelle « La semaine des 4 heures ». Timothy Ferris, voilà, ça me revient. Eh bien, moi, quand j'ai lu ce bouquin, j'avais 23-24 ans, donc c'était il y a quelques années maintenant. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait dans mes équipes commerciales? Je travaillais 4 heures par semaine, je les rassemblais 2 fois 2 heures pour qu'ils planifient. Donc, prospection téléphonique. Et là, vous arrivez à faire votre semaine des 4 heures. Il faut faire travailler vos hunters. Il faut les faire planifier, prospecter, prospecter, prospecter. Alors, comme vous l'avez compris, ça coûte cher à un hunter. Parce que, un, généralement, c'est eux qui créent le business. Et donc, ils ont ce que moi, j'appelle un pouvoir créateur divin. Les hunters créent du cash. Les hunters créent du cash. Et j'entends tout le temps dans les entreprises, « Ouais, mais les vendeurs nous coûtent cher. » Et il faut arrêter de dire ça. Plus ton vendeur te coûte cher, plus tu fais rentrer du cash dans ta boîte. Donc, tu dois prier pour que tes vendeurs te coûtent des millions. Et en fait, c'est tellement l'énergie des gens qui sont dans la gestion et complètement à l'opposé de l'énergie des gens qui sont dans la chasse, qu'à un moment donné, ils voient les vendeurs comme des coûts. Et encore dans l'entreprise que je viens de quitter, à un moment donné, ils disent « Ouais, mais pour les vendeurs. » Je dis « Mais vous êtes complètement à la masse. » Les gens qui coûtent de l'argent à l'entreprise, ce ne sont pas les vendeurs, puisque les vendeurs, ce sont ceux qui créent du cash. Donc, si vous êtes vendeur et que vous êtes le meilleur de vendeur de votre boîte, n'oubliez jamais que c'est vous qui créez le cash. Et ça, c'est puissant. C'est vous, de zéro, créer du cash. L'entreprise n'a pas de clients ou pas assez de clients, et tout à coup, vous faites rentrer des clients. Et à coup de millions, hein, parfois. Et donc, ça, c'est une valeur sur le marché qui est essentielle. Et donc, pour garder des hunters, ben, il faut, un, avoir des systèmes de commission qui sont non pas additionnels, mais bien exponentiels. Pour les tenir tout le temps en haleine, il faut tout le temps des incentives mensuels, trimestriels, semestriels, annuels. Il faut que ces gens soient tout le temps dans le drill, dans le drill, dans le drill. J'en parlais tout à l'heure avec Marc, et je disais, mais tu sais, dans mon autre boîte, on faisait des voyages de fous furieux. Mais de fou furieux, on partait faire du motoneige en Laponie, faire la plongée sous l'eau, sous la glace, on faisait des fêtes dans des igloos ouverts pour voir des aurores boréales, on louait des voitures de luxe, etc. Mais s'il m'avait donné de l'argent à la place de me donner ses incentives, aujourd'hui, je ne parlerais pas de cette entreprise avec Marc.
Parce que l'argent, ça rentre sur mon compte, je l'ai oublié qu'il me l'a donné. Alors que quand j'ai créé un esprit d'équipe avec une incentive derrière et que j'ai fait rêver mes collaborateurs, ces gens se souviennent de vous toute votre vie, de votre boîte toute votre vie. Même chose avec les clients. Hein. Si les clients vous les faites rêver, ils vont se souvenir de vous toute votre vie. Et ça, ce sera la touche finale à laquelle, eh bien, évidemment, je vais arriver. Alors, autre information capitale avec ces hunters, faites attention, il y a énormément de turnover dans les entreprises. Donc, du turnover, ça veut dire du va-et-vient qui donne une très mauvaise réputation à votre boîte, parce que plus il y a du va-et-vient, et plus ça veut dire qu'il y a des clients qui sont abandonnés dans la nature, surtout si vous n'avez pas des outils comme des CRM, donc Customer Relationship Management. Je pense que, je ne sais pas comment vous appelez ça en France, un CRM, tu… Ça s'appelle CRM, on dit la même chose. Et d'accord. CRM. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport à ce turnover, le responsable, l'unique responsable, si ce turnover a lieu dans la première année où votre vendeur commence, c'est celui qui l'a recruté. C'est lui le premier responsable. Si ça se passe mal, il ne fallait pas le recruter. Si ça se passe mal et qu'il était… Gilles, on t'a perdu une petite minute. Ouais, pas de son. Ouais, Gilles, on a perdu Gilles. Gilles va se reconnecter. Est-ce qu'il y a, je pense que je suis là, un petit bug. Mais Gilles va se reconnecter. Oh, superbe. Tu es à droite. Fabuleux. Petit problème de connexion. No stress. Et donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment le recruteur qui a 100% de responsabilité là-dedans. Et donc, ça veut dire que si c'est vous le recruteur, eh bien, c'est vous qui êtes responsable à 100% de ces gens que vous engagez dans votre entreprise. Et donc, comprenez bien la différence dans les modèles que je vais vous expliquer, parce que parfois, on recrute une bête de guerre là pour le mettre dans une activité qui ne lui correspond pas et ça fait de la casse. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux créer un nouveau produit, créer une nouvelle business unit pour le mettre… Gilles, tu as perdu, mais tu vas revenir, je pense, très rapidement. Gilles a quelques petits problèmes de connexion, mais il va se reconnecter dans quelques instants. Gilles, tu es là. Gilles, ouais, ok. Je ne sais pas, je viens de désactiver un peu tous les outils. Ouais, vous m'entendez ? On t'entend bien, Gilles. C'est bon, vous m'entendez ? On t'entend très bien. Ok. Pas de problème. Alors, donc tout ça pour continuer avec, c'est les hunters qui font tourner la baraque. C'est vraiment les hunters qui ramènent le cash dans l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est quasi de l'alchimie qu'ils font. De rien, ils amènent un nouveau client avec du cash dans la boîte. Donc, ces gens doivent vraiment être protégés le plus possible. Un, parce que vos clients vont vouloir les recruter. Donc, ça veut dire qu'il faut des systèmes hyper prolifiques en termes financiers. Mais surtout, il faut que ces gens aient une vraie appartenance à votre produit, à votre service, qu'ils aient une identité qui est proche de la vôtre. Okay, et donc, ça veut dire qu'ils font un système de valeurs cohérent. Et donc, tout ça, il y a des outils de recrutement que je pourrais vous proposer dans d'autres séminaires ou dans d'autres webinaires. Mais ça prend un peu plus de temps que l'heure que nous avons ensemble. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, c'est très intéressant. Effectivement, il faut retenir ces talents-là. On a besoin de hunters. Effectivement, il faut qu'ils partagent l'histoire de l'entreprise et qu'ils se sentent vraiment appartenir à cette entreprise, ce projet d'entreprise. Je suis vraiment d'accord avec ça. Exact. Et comme je dis, on les trouve partout. Donc, arrêtons de croire qu'il faut absolument les recruter chez des vendeurs. En fait, s'il y a l'ambition, s'il y a l'énergie, vous trouvez des diamants bruts. C'est beaucoup plus simple quand vous avez un diamant brut de le tailler comme vous avez envie que d'aller chercher un diamant qui est déjà taillé, qui va vous coûter les yeux de la tête et si ça tombe, qui ne va pas réfléchir la lumière comme vous avez envie. D'accord ? Ou qu'il y a un défaut dedans, vous n'arriverez jamais à corriger. Là, vous prenez ces diamants bruts et vous les taillez comme vous voulez. Et vous allez, c'est fascinant. J'ai fait ça avec des militaires, avec des gardiens de parking, avec des gardiens de musée, donc des gars qui n'avaient pas du tout le profil de vendeur. Et j'en ai fait des bêtes de guerre de vente parce qu'ils avaient un haut niveau d'ambition. Avec des mères qui avaient déjà deux jobs, divorcées avec quatre enfants à la maison, eh bien, il y a quand même encore moyen de trouver du temps pour ces gens et de les former de la bonne manière. Alors, je terminerai avec les hunters en vous disant ceci, parce que c'est très important pour moi que vous compreniez ça. Ces gars-là, il faut tout le temps battre la cadence. Et ça, c'est le rôle du directeur commercial, c'est le rôle du patron d'entreprise quand il y a des hunters. C'est battre la cadence. Ces gens ne peuvent pas s'ennuyer. Mais surtout, ce sont des énormes dépenses d'énergie quand on les met en mouvement. Par contre, une fois qu'ils sont en mouvement et qu'on bat bien la cadence,
eh bien, ils dépensent moins d'énergie que leur niveau d'énergie. C'est un peu le même principe que la loi de l'inertie avec les bateaux ou qu'un avion, quand il décolle, au moment du décollage, boum, ça skate 100 litres de benz en une minute. Et une fois que l'avion a sa vitesse de croisière, eh bien, ça dépense beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'essence, de kérosène. Même chose pour un bateau. Une fois qu'il est sorti du port et qu'il a trouvé sa vitesse de croisière, il pollue certainement beaucoup moins, mais il dépense beaucoup moins de fuel. Eh bien, avec les hunters, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'une fois que ces mecs, ils ont trouvé leur tempo, votre rôle, c'est de vous assurer qu'ils gardent le tempo. Vous vous souvenez, hein, vous voyez ça dans les drakkars ou dans les bateaux d'esclaves avec les rameurs, le gars qui boum, 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 tape sur le tambour. Eh bien, c'est ça qu'on vous demande de faire si vous avez une équipe de hunters. Alors, il y a une phrase que j'adore, c'est que si ces gens arrivent de manière alchimique à créer quelque chose en partant de rien, ils font de la magie. Et la magie, si vous faites attention, yop, si je décortique le mot autrement, la magie, c'est aussi l'âme agit. Donc, on est clairement, pour avoir de la magie, il faut que je mette mon âme en mouvement. Et donc, on est vraiment là-dedans. On est dans du mouvement, dans prospection, 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 prospection. Ils doivent semer en permanence, semer en permanence. Un vendeur qui est dans vos bureaux et qui tourne en rond, il faut tout de suite l'envoyer, eh bien, sur le chemin de l'emploi, dans la prospection, parce que c'est ça dont il a besoin. Et surtout, plus ils ont du succès, plus ils deviennent assoiffés de succès. C'est vraiment un leitmotiv qu'ils ont. Donc, ces gars, il faut les inscrire dans des clubs d'affaires. Il faut les présenter à tous vos clients. Mais alors, il ne faut pas les présenter à des clients existants. Ça va être le rôle du farmer dans lequel je vais venir dans deux minutes. Non, il faut… Si vous, en tant que patron d'entreprise, il y a même des amis que vous n'avez jamais su ramener dans votre business, envoyez un hunter. Parce que ces gars viennent avec un niveau d'énergie qui est tellement haut que… Et en fait, donc pourquoi… Et ça, c'est une subtilité que je peux peut-être vous transmettre. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, donc, il y a plein de quotients intellectuels. Mais il y a notamment le quotient émotionnel et le quotient intellectuel. Et on dit que mon quotient intellectuel, il est inversement proportionnel à mon quotient émotionnel dans l'instant présent. Je m'exprime. Si Thibaut, on commence à faire un conseil d'administration où tu me montres ton plan de trésorerie, tes chiffres, semaine par semaine, on va avoir un niveau d'énergie à ras des pâquerettes. Pourquoi? Parce qu'on est dans les chiffres, on est dans l'intellectuel. Et quand tu es dans l'intellectuel, tu dépenses de l'énergie, mais tu ne produis pas d'énergie. C'est la raison pour laquelle ce genre de réunion, après 4 heures, t'en peux plus et t'es lessivé. OK? Eh bien, là, tu es dans le quotient intellectuel. Quand tu fais monter l'énergie des gens, ils quittent le quotient intellectuel pour être dans le quotient émotionnel. Je te pose la question, à ton avis, est-ce que tu as plus facile à signer un contrat quand les gens sont dans l'émotion ou quand ils sont dans leur tête? Quand ils sont dans l'émotion, bien évidemment. Évidemment. Mmh. Évidemment. Et c'est ça toute la magie que personne n'a aujourd'hui conceptualisé. Les hunters vendent à l'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils emmènent les gens dans leurs émotions. Et il n'y a rien de plus puissant. Une fois que tu es dravé par l'émotion, tu fais tout et n'importe quoi, voire même parfois des grosses bêtises. Quelqu'un qui est en colère, il va aller agresser son voisin, peut-être physiquement. Et puis, après, il va dire, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai été pris sous l'émotion. Eh bien, dans la vente, c'est exactement la même chose. Il faut mettre sous l'émotion. Alors, il y a une question, autant de femmes que d'hommes parmi les hunters, c'est quoi? Il y en a autant, en fait, il n'y a pas de différence, finalement. Il n'y a aucune différence. Aucune différence en termes de sexe. Et d'ailleurs, les femmes ont été complètement sous-estimées dans le rôle de hunter. Alors qu'il y a des perles incroyables. Pourquoi? Parce que justement, elles viennent dans un monde qui est émotionnel, qui par définition, généralement, elles sont plus à l'aise avec l'émotion, et surtout, sont des femmes. Et donc, la prospection, moi j'ai des statistiques sur 600 vendeurs, les femmes sont plus fortes au téléphone que les hommes. Il y a beaucoup plus de rendez-vous. Parfois, c'est 50% en plus de rendez-vous avec une nana au téléphone. Donc, on peut avoir une team de femmes, hein, qui est hunter, c'est encouragé, très clair. Évidemment. Et alors, si je peux même aller plus loin, moi, il y a aussi communauté. Moi, j'ai vendu énormément dans les communautés albanaises, mais j'avais des hunters albanais. Même chose avec les Turcs, j'avais des hunters turcs. Même chose avec les Chinois, ben, c'était des Chinois. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent faire du commerce entre eux. C'est tout à fait logique. Mais je vais chercher des hunters, donc des gens à haute valeur
autre valeur d'ambition et d'énergie. Alors, il n'y a pas que les hunters dans la vie, il y a aussi les farmers. Alors, explique-nous un peu, et puis il y en a une autre. Exactement, et puis il y a l'enchantement. Donc, juste pour terminer, si vous voulez à un moment donné diminuer votre coût par rapport aux hunters, soit vous leur donnez des parts de votre société, c'est une possibilité, soit vous leur donnez un vrai plan de carrière, soit vous devez en faire des pèlerins. Et donc ça veut dire que c'est des gens qui vont avoir une foi inébranlable dans les valeurs et les process que propose votre entreprise, les solutions que propose votre entreprise. Et là, ces gens, tout à coup, ils sont tellement alignés avec le message, tellement alignés avec le produit, qu'ils deviennent des pèlerins et ça peut coûter un peu moins cher, mais ça vous coûtera quand même des sous. Donc ça, on était dans le hunting, la chasse. Okay ? Alors, ensuite, il y a une deuxième énergie de vente qui est aussi assez connue, qui s'appelle le farming. Et donc, le farming, c'est vraiment le fermier. Donc, ça veut dire qu'il cultive son champ. On vient de passer du chasseur-cueilleur au... Tu te souviens qu'on a vu ça quand on était à l'école. Le farming. Alors, moi, ça me fait rire. Quand je rencontre des farmers dans des sociétés, donc je suis le conseiller commercial de l'entreprise. Ah, je dis, ah, ben, c'est bien. Écoutez, je vous invite à aller manger un restaurant. Ok, et donc on va parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, hein. Génial, hein. Jusque-là, génial. Et puis il s'en va, vous n'avez besoin de rien. Alors, il faut savoir qu'un farmer doit vendre, il doit vendre plus que le hunter. C'est évident. Pourquoi ? Parce que le hunter, il a été chercher un client qui ne vous connaît ni d'Ève ni d'Adam et vous a fait rentrer dans votre business. Et là, il y a un lien de confiance qui s'est installé. Quand le lien de confiance s'est installé, le client, il est fan, il achète plus. Et si vous voulez un super exemple, regardez ce que Apple fait, c'est un truc de fou. Combien parmi vous aimeraient avoir une croissance comme celle de Apple ? Ok ? Eh bien, merci. Il faut savoir que Apple, c'est 80% dans leur business model énergie de vente. Vente. Ils produisent rien, ils délèguent tout. C'est que de la vente et du marketing. Et ça cartonne. Okay, c'est leur métier. Eh bien, un farmer, c'est un profil tout à fait différent du hunter, mais par contre, c'est quelqu'un qui doit vendre plus. Je le note en grand. Et ce n'est pas du tout une carrière pour les hunters fatigués. Vous mettez des hunters à la place des farmers, ça va être un carnage. Il n'a pas l'habitude, le hunter, il est connecté à la colère, là où le farmer, il est connecté à l'empathie. Ce sont des gens hyper empathiques, qui ont deux oreilles, une bouche. C'est pour écouter deux fois plus que ce qu'ils parlent. C'est vrai que c'est ce qu'on fait d'habitude. On prend les hunters et quand ils sont un peu fatigués, on se dit, comme ils sont fatigués, on les met farmers. Ce n'est pas une bonne stratégie, c'est ça ? Pas du tout, parce que ce n'est pas du tout les mêmes profils. Et pas du tout. C'est vraiment des profils différents. Ce n'est pas du tout la même fonction commerciale. Ce n'est pas du tout la même approche clientèle. Le farmer, c'est vraiment quelqu'un qui va aller comprendre les besoins du client et qui va aller proposer des nouveaux produits à ses clients. Et si les produits n'existent pas dans l'entreprise, il va aller trouver son patron en disant « il faut créer ça parce que la demande, elle est là ». Et donc, ces gens, ils portent, et retenez bien cette phrase, hein, parce que c'est, pour moi, c'est, elle résume vraiment le farmer. C'est porter un intérêt sincère à autrui qui est la première qualité qu'un vendeur doit posséder en tant que farmer. Porter un intérêt sincère à autrui est la première qualité qu'un vendeur doit posséder. Comme tout un chacun d'ailleurs. Hein, d'ailleurs, ce serait vraiment sympa si tout le monde avait ça. Alors là, on va être beaucoup plus dans une couleur jaune, dans une couleur verte. D'accord ? On est en train de partager nos clients, on crée des partenariats, on est en train d'analyser les besoins par rapport au service, point in the lane, point à la ligne. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans, tel client, il a une super data, mais nous aussi, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour échanger en termes de clients ? Donc on est en train de pérenniser les relations, mais en continuant à faire des partenariats et en vendant. C'est ça le but, hein. Ici, je suis désolé, si vous voulez faire de la croissance de votre entreprise, il faut vendre. OK ? Alors, il y a juste un truc qu'il faut faire très attention dans le management de ces gens-là, c'est qu'ils ont tendance à se victimiser tout le temps, ce type de vendeur. C'est des gens qui se victimisent. Oui, mais c'est le marché. Oui, mais c'est la concurrence. Oui, mais c'est la crise. Oui, mais c'est le Covid. Bla, 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 bla. C'est pas vrai. T'as qu'à prospecter plus dans les clients existants et ça va cartonner, c'est tout. Nos clients n'attendent que toi.
Donc, il ne faut certainement pas accueillir les excuses de ces gens-là. Il faut tout de suite argumenter et les envoyer travailler. Alors, utiliser des CRM avec eux pour justement garder la data en cas de turnover. C'est la même chose avec l'Enter. Pourquoi ? Et si je peux vous donner un très, très bon conseil par rapport au CRM, tous les CRM devraient proposer ça, c'est quelles sont les passions de mes clients ? Quelles sont les passions de mes clients ? Si ces passions, c'est le golf, dès que je fais un événement qui est très avec le golf, je dois pouvoir sélectionner dans ma database quelles sont les passions de mes clients. C'est le golf, tous ces gens qui aiment le golf, je les invite à un event de golf. Je vous promets que quand vous appelez un de vos clients pour un événement qui est lié à sa passion, vous allez arriver dans l'énergie dans laquelle moi je veux vous emmener, mais j'y arrive tout de suite. Alors, énormément d'incentives sont créés pour stimuler les hunters, mais il y a aussi des incentives qui doivent être créés pour les farmers, parce que c'est des gens qui doivent être dans le drill, parce qu'ils doivent apporter de la vente tout le temps. Et c'est des ventes généralement moins élevées, ou c'est des services cultifs, ou c'est des formules d'abonnement. Attendez, monsieur le client, on a un super abonnement, c'est 50 euros par mois, et pour cet abonnement, on a ça et ça à vous proposer. Et donc, ça veut dire qu'il y a ici des gens qui nous regardent, qui ont des structures hyper chassantes, mais qui n'ont pas développé le farming derrière. Ben, appelez-moi, je vais vous expliquer en long et en large avec mes services comment le faire. Et puis, il y a des autres, c'est l'inverse. Ils ont très, très peu chassé, mais ils ont fait énormément entretenir leurs clients. Il faut les deux. Mais les deux, ça veut dire que le hunter ramène le cash. Le cash sert aux farmers pour proposer des nouveaux services et des nouveaux produits. Et donc là, on est vraiment dans une stratégie moyen terme et long terme. Je pérennise mon entreprise. C'est comme ça que les boîtes rentrent en bourse. Ils vont, les gars qui vous stimulent à rentrer en bourse, ils regardent si ça existe. Si ça n'existe pas et que c'est que du hunting, ça fout les boules à tout le monde parce qu'on a trop peur que ce soit un feu de paille. Exactement, un feu de paille. Donc, farming, pas du tout le même profil. On est vraiment dans une énergie d'empathie. C'est des gens qui sont beaucoup à l'écoute et qui sont redoutables parce que souvent, on ne les voit pas venir. D'accord ? Et donc, si par définition, vous avez des bons vendeurs qui ne sont pas des chasseurs, c'est qu'ils sont là-dedans. Mais il faut leur donner une fonction liée à ça. Alors, moi, je vous ai promis que j'allais vous transmettre une technique pour vendre en s'amusant et avoir beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est la troisième énergie de la vente que je vais vous présenter maintenant, qui est mais extraordinaire. Donc, on a chassé le client. Et ça va dans cet ordre-là, je précise, ça doit aller dans cet ordre-là. D'abord, je chasse le client. Et puis, une fois qu'il est dans ma société, je lui vends d'autres produits. Et à ces gens à qui j'ai vendu d'autres produits, je vais proposer ce qu'on appelle l'énergie d'enchantement. Donc, en anglais, on dit « enchanting ». L'enchantement, c'est quoi ? C'est que je connais tellement bien mon client que, première chose, je vais toujours lui délivrer plus que ce que je lui ai promis. Toujours délivrer plus. C'est des bêtises. Écoutez, je vous avais dit que c'était 50 euros par mois. Eh bien, vous savez quoi ? Ce n'est pas 50, c'est 47. Waouh, génial, quelle bonne nouvelle. On a tellement l'habitude que ce soit 52. Je vous ai promis 10. Eh bien, il y a plein d'entreprises qui promettent 10 et qui délivrent 8,5, 9. Eh bien, moi, je promets 8 et je délivre 11. Là, les gens, ils sont en état de choc. Ils se disent, ouais, le gars, c'est 5. Moi, je facture 5 000 euros la journée, Thibault. Eh bien, une journée, ce n'est pas 8 heures. S'il faut, je reste 18 heures dans la boîte. Les gens, ils sont traumatisés. Mais voilà, moi, c'est 5 000 la journée. Mais je te promets que quand je suis dans ta boîte, je ne m'en vais pas tant qu'on n'a pas réalisé ce qu'il faut. Mais l'enchantement peut être beaucoup plus subtil. Vous avez, je ne sais pas moi, quelqu'un, on a parlé de golf par exemple. Vous avez quelqu'un qui fait du golf. Qu'est-ce que vous faites ? Vous savez qu'il a une grande compétition de golf. Allez lui acheter un super club, un super bois. Allez lui acheter une nouvelle paire de chaussures. Mais je vous promets une chose, quand le gars il va aller au practice avec son nouveau fer, tout le monde lui dit « Tiens, c'est quoi ce beau fer ?» Et qui va dire « Mais ça, c'est une des sociétés avec lesquelles je collabore qui me l'a offerte. » Ils vont tout de suite dire « C'est qui cette société ?» Et là, il va se passer quelque chose de magique. Vous, vous passez du temps à enchanter vos clients. Donc, vous passez du temps à amener du bonheur à vos clients. C'est de ça dont on parle. C'est sans effort, c'est gai parce que vous avez un lien de proximité avec eux et vous êtes en train de l'enchanter. Je ne sais pas, moi, cette personne va faire de la plongée sous-marine en Corse, on le ferait lui un beau couteau pour aller faire de la plongée sous-marine. Ça coûte rien. Hein. Dans un budget de société par rapport à l'énergie de hunting et de farming, ça coûte rien. Mais par contre, ce gars, quand il va aller plonger, tout le monde lui dirait « Mais il vient d'où ce couteau ?»
Bah, ça, c'est Gilles, c'est un gars super sympa, tu dois le rencontrer. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous mes clients deviennent mes hunters. Tous mes clients deviennent mes hunters. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai non pas 5 hunters, j'ai 500 hunters qui se mettent à chasser pour moi. Et là, tout à coup, pour un coup, dérisoire, parce que ces gens, la plupart du temps, ne me demandent pas de commission. Pourquoi ils ne me demandent pas de commission? Vous n'avez pas arrêté de les enchanter. Vous n'avez pas arrêté de délivrer plus que ce que vous avez promis. Vous avez fait des petits cadeaux spécifiques. Mais ça peut être. Moi, j'ai un gars avec qui je faisais des arts martiaux, qui était un client. Je lui ai offert un couteau. Le manche était en malachite et la lame était en ivoire. Le gars, il a reçu ça. Il a halluciné. Mais ce mec m'a envoyé des centaines de clients. Gratos comme ça, juste parce qu'on est dans cet échange. Et ça, c'est super puissant pour pérenniser votre business. Donc d'abord, je chasse le client avec mon équipe de hunters. Ensuite, j'ai une équipe de farming qui protège ses clients, mais qui continue à vendre. Le farmer, il n'a pas un champ qui est vide. Gilles, Logique. on t'a perdu une seconde. Donc tu nous disais, c'est très important ce que tu nous dis là. D'abord, on chasse le client, c'est ça, Gilles, tu es là? D'abord, on chasse le client. Ensuite. Ensuite, nous avons, quand on a chassé le client, on doit entretenir ce client. Comme le fermier, il entretient ses terres, eh bien, le fermier, il travaille tous les jours dans ses terres. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, de pérennité. Ça, c'est le farmer. Et le hunter et le farmer, eh bien, ils doivent tous les deux arriver dans cette énergie d'enchantement. Nous avons désactivé la vidéo, celle de Thibault. OK. Gagnant, on va passer. OK, Thibault. Et donc, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nos clients vont être dans un enchantement perpétuel. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous amener des nouveaux clients. C'est nos clients qui deviennent nos hunters. En termes de coût, vous avez votre ligne de coût au niveau de la vente qui va complètement diminuer. Le coût d'acquisition client ici, il est quasi égal à zéro. Mais par contre, vous avez des clients qui vous adorent tout de suite. Et donc, à ces gens, ça va être encore plus facile de faire du farming. Donc, la solution, c'est une fois que j'ai fait du hunting, une fois que j'ai fait du farming, je m'assure d'enchanter mes clients pour qu'ils deviennent mes hunters. Et la boucle est bouclée. Et donc, j'ai produit une fois beaucoup d'énergie pour chasser mon client. Et une fois que j'ai chassé mon client et que j'ai produit beaucoup d'énergie pour y arriver et que j'arrive à l'enchanter, eh bien, c'est tous mes clients qui se mettent à vendre. Pour vous donner une idée, dans la boîte que je viens de quitter, je leur ai laissé à peu près 400 ambassadeurs. Donc, c'est 400 hunters qui travaillent quasi gratos pour la boîte et qui remplissent leurs événements. En 5 ans, 400. Des gens qui sont waouh, j'adore, j'adore, j'adore. Et ils nous amènent des clients, des clients, des clients, des clients, des clients, des clients, des clients gratos. Alors, c'est trois équipes, donc on est bien d'accord. Il y a des chasseurs, des farmeurs, et donc c'est encore une autre équipe qui va enchanter les clients, c'est ça? Donc il y a trois équipes. Alors, non. C'est aussi bien le hunter que le farmer qui doivent enchanter les clients et c'est surtout Ah. les patrons de boîte. Plus le client est important, plus eh bien, la hiérarchie dans l'entreprise doit se rapprocher du client. Mais c'est les hunters et les farmers qui font l'enchantement. Parce qu'en fait, ils ont bien compris qu'ils savent que c'est énergivore ce qu'ils font. Et donc, s'ils veulent pérenniser leur énergie, eh bien, autant faire ça. Plutôt que de chasser encore un nouveau mandat et encore un nouveau mandat. Moi, la plupart des agents immobiliers, parce que je sais qu'ici, c'est beaucoup des agents immobiliers qui n'ont rien, je ne les comprends pas, quoi. Je leur ai déjà dit, mais à cette famille-là, tu as vendu combien de maisons? Mais une. Mais tu rigoles ou quoi? Ils sont 10 frères et sœurs. Comment ça se fait que tu as vendu qu'une maison? Qu'est-ce que tu attends pour prendre contact avec tous les frères et sœurs, pour aller boire un verre avec eux, pour les donner une carte de visite? Parce que ces gens, ils te connaissent pas. Alors, si tu enchantes soit un des frères, il va t'amener les 12 autres, ou soit toi, en tant que farmer, tu dois connecter ces gens. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine avec cette vision très claire de pérennité du business. Et j'insiste là-dessus. Moi, je suis un acteur de croissance, mais je veux qu'après la boîte, elle cartonne. Et donc, pour ça, je dois enchanter mes clients et arriver à ça. Et une fois que je suis arrivé à ça, ils chassent pour moi. Très clair. Donc aujourd'hui, enchanter le client, c'est le plus important. C'est pour toutes les équipes commerciales. On doit maîtriser les trois énergies, en fait, quelque part. On doit être capable de. Alors, il y a quand même des prédispositions. Un hunter qui est dans une énergie débordante, c'est vrai qu'on n'en fera pas forcément un farmer et vice-versa. On est bien d'accord. Ça, on l'a vu au début. On est d'accord. Et en revanche, enchanter ses clients, en donner un peu plus, délivrer davantage, ça, c'est une évidence et ça doit être appliqué dans toute l'entreprise. Ça devrait être une valeur de chacune de nos entreprises. Très clair. Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous rendez
à César ce qui appartient à César. Vous rendez au consommateur ce qui appartient au consommateur. Moi, je suis désolé, mais le client est roi. Et c'est bien triste qu'on ait perdu ça. Et on a perdu ça parce qu'en fait, on a perdu la proximité avec nos clients. Et c'est pour ça que la pérennité des business est difficile. C'est pour ça que la fidélité des consommateurs n'existe plus. C'est tout simplement parce qu'on a perdu ça. Pourquoi est-ce qu'il y a cette... Pourtant, c'est facile d'offrir quelque chose. En tout cas, on n'achète pas un client, mais en tout cas, on lui donne envie de rester dans l'entreprise, de revenir, d'acheter de nouveaux produits parce qu'on va lui proposer une offre qui va être un peu meilleure. On va toujours lui apporter un service en plus. On est d'accord ? Ça, c'est surtout, quand vous enchantez quelqu'un, on ne va pas voir ailleurs. Quand votre femme, elle est 100% contente que vous lui offrez des fleurs, que vous pensez à elle tous les soirs, que vous l'invitez au restaurant, elle ne va pas aller voir ailleurs. Quand on va voir ailleurs, c'est parce qu'à un moment, on est délaissé, qu'on est oublié. Vos clients, s'ils partent à la concurrence, c'est parce qu'on les a oubliés. Ça n'a rien à voir avec la marque, ça n'a rien à voir avec le prix, ça n'a rien à voir avec le marché. Tout ça, c'est du bullshit. C'est les excuses des vendeurs. On sait à quel point c'est compliqué d'avoir de nouveaux clients. Moi, j'ai une remarque quand même par rapport au métier d'agent immobilier. Moi, je me dis souvent, mais je pense qu'il y a tout un portefeuille de clients qu'on ne rappelle pas forcément quand on est agent immobilier, qui ont acheté en fait par le passé, peut-être 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Il suffit de rappeler ces clients-là pour déclencher parfois des nouvelles ventes. Évidemment. Alors là, je vois Virginie qui dit ça ne peut pas être mal vu d'acheter les clients. Mais personne n'a parlé d'acheter les clients. C'est enchanter les clients. C'est tout à fait différent. Acheter des clients, c'est tiens, là, 500 euros parce que tu m'amènes un nouveau client. Enchanter quelqu'un en lui disant tiens, je t'offre un super club de golf parce que j'ai super sympathisé avec toi et que j'espère qu'avec ce club de golf, mon intention, elle est pure. Hein. Je vous l'ai dit directement, je dis porter un intérêt sincère à autrui. Donc, quand je lui offre un club de golf, s'il fait du handball, là, je vais vraiment passer pour un coup. Ça peut être invité à un événement, à une formation, à plein de choses. Il y a plein de choses. Invité à un webinaire en disant ce webinaire va t'intéresser. Il n'est pas obligé que ce soit onéreux. C'est juste avoir une pensée pleine de bonnes intentions, sincère vis-à-vis d'autrui par rapport à une passion qu'il a. Très clair. L'enchantement, c'est majeur aujourd'hui pour toutes les entreprises et les agences immobilières qui veulent performer, se faire connaître, garder leurs clients, développer le chiffre d'affaires sur des clients existants, mais aussi aller chercher de nouveaux clients et mettre ça dans la tête de tous nos commerciaux, tous les commerciaux, quels qu'ils soient, on est bien d'accord. La réceptionniste, l'accueil, tout le monde doit maîtriser ça. Quand vous avez la différence, quand vous êtes reçu parfois dans des entreprises, on ne vous propose même pas une tasse de café ou un verre d'eau, moi je tombe au cul par terre. J'ai déjà pas envie de travailler avec eux, quoi. Je sais déjà que si vous essayez de négocier mes tarifs, leur verre d'eau va leur coûter 5 000 euros. On lui a remis le papier le jour même parce qu'on voulait absolument qu'elle ne soit pas déçue. Ça aurait été complètement aberrant de se dire qu'on a déçu une personne qui s'est déplacée jusqu'à chez nous, dans nos bureaux, à Boulogne-Billancourt, pour avoir du papier. Et il est passé 18 heures, on n'avait pas la caisse ne fonctionnait pas. Et donc, on a bien sûr offert le papier. Il aurait été dramatique, bien évidemment, de ne pas remettre ce papier. Et bien sûr que la personne chez nous a voulu bien faire, parce qu'elle s'est dit, il faut que je rentre, que je facture le client, c'est important pour nous, je ne peux pas voler vitre immédiat. Eh bien non, il fallait, le bon geste, c'était de donner ce papier à ce client qui était venu jusqu'à chez nous. Et voilà, et au moins, elle est repartie avec une bonne image de nous. Et peu importe qu'on l'ait facturé ou pas, on n'a pas acheté le client, on a juste donné quelque chose à un client qui avait fait l'effort de venir jusqu'à nos bureaux. Et même si 18 heures étaient passées, peu importe, c'était vraiment important. Gilles est très bon. Merci Gilles. Moi, j'ai appris plein de choses ce soir. J'espère que c'est pareil pour vous. Vous avez appris plein de choses. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va rester dans le domaine psychologique. La semaine prochaine, je pense que c'est vraiment important. Technique de vente, mais surtout psychologique, les 4 profils psychologiques. On aura la chance d'avoir une femme avec nous la semaine prochaine. Donc, revenez nous voir la semaine prochaine à 17h, même heure, 17h. Je serai ravi d'être là avec vous. Passez une très bonne semaine efficace et plein d'enchantement. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Merci.